Eh bien salut tout le monde, c'est Azarath, j'espère que ça va. Alors, on se retrouve pour l'épisode 2 de Game Dev Tycoon. Alors on s'est arrêté après le petit Command & Conquer qu'on avait développé qui s'est vendu, on va dire, correctement, sans plus, hein. Bon. Et alors, on en était... Ah voilà, on voulait rechercher ciblage du public, donc on va le faire tout de suite. Comme ça on va pouvoir... tranquillement choisir notre public correctement. Alors Sega, ah voilà, une nouvelle console est sortie. Vous avez recherché avec succès, ouais, ciblage du public, donc ça c'est bon. On va développer un nouveau jeu. Alors on va reprendre le thème militaire, le genre on va... Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Action. On n'a pas fait action. On va prendre ça. Ouais, je sais pas ce que ça va donner, mais... Moteur de jeu numéro 1. On va le laisser en tout public. On va le laisser en tout public. Non, public averti, voilà. Alors attendez, quittez pas, il y a quelqu'un qui me parle sur Skype, je crois que c'est l'ami qui est leur surprise. Je coupe, on se retrouve tout de suite après. Ouais tout le monde, donc alors on en était là, ouais c'est ça, Militaire Action. Sur la nouvelle console de Sega, on va l'appeler... On va l'appeler... Pan Boom. De toute façon c'est juste un jeu pour avoir un peu plus d'argent, hein. C'est pas, je vise pas le truc extraordinaire. Hop. Ouais. Alors ils veulent du moteur, ils veulent un peu moins de gameplay. Je sais pas trop en fait gameplay, donc je vais le mettre là. Histoire quête bof. Alors, intelligence artificielle, ils en veulent pas mal. Hop, voilà, on va faire comme ça. Dialogue, j'ai tout enlevé. Voilà. Bouleverser le marché mondial. Les experts dans l'industrie disent qu'elle a trouvé peu de débouchés sur le marché américain et qu'elle devrait avoir du succès dans le reste du monde. Sega, apparemment, n'était pas très populaire aux États-Unis. Par contre, en Europe, etc., c'était... autre chose. Graphisme, ils en veulent. Conception du monde, je sais pas trop. Je vais mettre comme ça. On verra bien. Une interview. Allez. Un peu de hype. On va faire de la pub un peu pour notre jeu pendant le développement. Alors, publier une interview. Alors, la société est en train de travailler sur son premier jeu pour les joueurs adultes. Azarath, propriétaire et PDG de Azarath Games, a déclaré « Nous pensons que les joueurs recherchent plus de contenu mature dans les jeux et nous sommes prêts à prendre le risque de leur en donner. » Voilà. De nombreux experts pensent que tôt ou tard, des jeux avec des thèmes plus matures seront monnaie courante. Nous sommes curieux de voir comment le marché va réagir à l'arrivée de ce nouveau type de jeu. Ah voilà, j'ai 13 de hype. Et j'ai fait un bon score quand même là. C'est pas mal. Hein. 16-19, ça va. Donc j'ai 13 de hype. Alors le hype, c'est la popularité, quoi, on va dire. Alors plus j'ai de hype, plus le jeu va avoir de répercussions sur les ventes. C'est-à-dire plus ça sera un bon jeu, plus ça sera vendu. Mais plus ça sera un mauvais jeu, plus grand sera le flop, en fait. C'est pour ça qu'il faut faire attention au hype. C'est bien d'en avoir quand on a un bon jeu, mais quand le jeu sera merdique, c'est... ça vous achève, quoi. On publie le jeu. Mais la 13, ça va, c'est pas beaucoup non plus, quoi. Hop, les critiques arrivent. Voyons voir. Oh, ça a l'air moisi.
Bref, c'est la moyenne, quoi. Ouais, ça aurait pu être mieux, hein. Ça aurait pu être mieux. Rapport des ventes pom pom boom soit bien en dessous des prévisions. Ah, le jeu a reçu des critiques, mais il semble que la plateforme choisie ne soit pas au goût du public ciblé. D'accord. Donc en gros, j'ai pris la Sega là, enfin comme plateforme, et le problème c'est que le public ciblé n'est pas adepte de cette console. Du coup, je me suis fait un peu j'ai mal choisi mon truc, quoi. Alors, on va faire des recherches. Qu'est-ce que je peux faire comme recherche? Le son mono. Hop. Le son reste quand même important, hein. Faut pas l'oublier. Casual game que je peux rechercher. Voilà, son mono, c'est fait. Ah, montre que les Commodore 64 semble perdre lentement des parts de marché par rapport aux autres constructeurs de PC. D'accord. Ok. Donc le PC est en train de rattraper ses concurrents. On va faire le rapport de jeu. Voilà. Ouais, il s'est pas vendu énormément, hein. C'est... Ouais, plateforme, audience, match, public averti. Mauvais, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Donc maintenant je le saurai. Hein. Développer un nouveau jeu. Hein. On va continuer sur cette lancée. Un thème. Il faudra peut-être que j'en cherche des thèmes aussi. On va faire transport, simulation. Simulation PC, non, voilà. Le Commodore, allez, moteur de jeu, le premier, tout public, on va l'appeler Bus Simulator. Allez, c'est parti, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Alors, gameplay, le moteur, histoire quête, non. Ok, donc, hop. Ouais. Ah, la Game Boy va bientôt sortir. Ok. Sera moins puissante que les PC ou autres consoles de jeu, mais son petit prix et le fait qu'elle soit portable pourraient la rendre très populaire. Bon, ça n'a pas l'air d'avoir bougé là les trucs, donc on va laisser comme ça. Je suis à moins 20 000, oh là là. Je suis à moins 20 000 là. Ok, c'est tout. Nouveau record de design. On publie. Générer le rapport, ce sera fait. Voilà. Alors, première critique de Bus Simulator. Oh! Oh, oh là là. Oh merde. Indice, indice, indice. Non, 8. Eh, j'ai eu des 9 quand même. Jeu exceptionnel et super, quoi. Agréable, très bon. Ouais. Là, ça va rebooster un peu les ventes. Là, c'est cool. Ah, ça y est. La Game Boy est sortie. Ah oui, là, les ventes. Alors, Bus Simulator terminé. Alors. Transport et simulation, c'est bien. Le moteur semble être très important.
Le gameplay semble être très important aussi. Tout public et Commodore 64, c'est une bonne combinaison. D'accord. Je crois qu'au bout de 1000 fans, je peux déménager. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr. Il me semble. Non, je sais pas. Je vais faire des recherches. Des nouveaux thèmes, parce que là, il m'en faut des nouveaux thèmes. Avion. Allez hop. C'est vrai que niveau thème, là, je suis un peu court. J'ai pas grand chose. Allez, arrête de te gratter la tête, va. Boss. Allez. C'est vrai que là, je suis un peu court niveau... niveau thème de jeu. Donc, avion, c'est fait. Je sais plus où je vais. Rechercher. Vie. Pourra faire un truc genre les Sims ou GTA, quoi. Ça peut être sympa. Hop. Mécaniquement, augmentation du lecteur de magazine, traitant de jeu vidéo, c'est magazine. D'accord. Ouais, c'est le début du marketing du jeu vidéo, quoi. Voilà. Nouvelle recherche disponible, marketing. Ok, ok. Donc ça va, il s'est bien vendu quand même, hein. J'en ai eu pour pas mal. 295 000 pour un jeu, c'est cool. Voilà, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre? On va développer un jeu. On va développer un jeu avion. On va refaire une simulation. Alors Game Boy apparemment c'est la simulation c'est pas trop mal. Ouais, on va prendre la licence Game Boy, on va mettre les jeunes, parce que les jeunes aiment ça. Le moteur de jeu, toujours le même. On va l'appeler. Ace Combat. Suivant. Graphisme de DV2. Hop. Bon, j'ai pas encore le marketing, ça aurait pu me donner un petit coup de pouce, mais bon. Ah, ça a pas bougé encore. Ah non, c'est toujours simulation, donc là, normalement, le truc est sauvegardé. Ouais, ouais, c'est comme ça, hop. Ah, ça a l'air d'être bon, ça, ça a l'air de bien se présenter. Alors, moins, ça ne veut pas dire pas du tout, je pense. Faut peut-être en remettre un tout petit peu. On va remettre un tout petit peu. Ouais. Ok. Ça, on va pas le bouger. Peut-être baisser un peu le son. Hop, voilà. Alors, si vous accumulez plus 1 million de cash, vous... Ah, d'accord. Faut 1 million de thunes pour déménager, d'accord. La Game Gear va sortir. Hop, c'est bon. Je crois qu'on a encore battu un petit record, là. Ça se voit un peu avec le jeu de tout à l'heure. Hop, on a battu le record design, déjà. Donc, le jeu... Ouais, le jeu est déjà un peu mieux que le précédent. Oh, voilà. Allez. Hop. Publier le jeu. Meilleure expérience pour l'utilisateur. Ça, c'est pas mal, ça. Première critique. Allez, croisez les doigts. Oh, oh là là. Eh. Eh. Alors. Voilà. Ça, c'est le premier blockbuster de la partie. Ça sera Ace Combat. Ça sera Ace Combat, voilà. Et dès qu'on a... regardé le nombre de ventes. Hop là, j'ai déjà 1 million. Quand on a un 10, enfin... Quand on a des 10 en note, c'est un truc de ouf, le nombre de ventes que c'est. C'est hallucinant. Ouais, ok, ça c'est sorti. Alors, je peux déménager, normalement. Pour 150 000, j'accepte. Et voilà. Des nouveaux bureaux. C'est nickel. Nickel. Je peux faire une formation. Ah, je peux commencer les formations.
Donc là, on peut voir des statistiques sur les personnages. Le design, la technologie, la vitesse et la recherche. Donc ça, c'est tout simplement ses compétences à développer les jeux dans le design et la technologie. La vitesse, c'est tout simplement la vitesse à laquelle il développe le jeu. Et les points de recherche, c'est les points de recherche qu'il génère pendant le développement. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et il y aura tout un système de niveaux. Enfin, vous allez voir, si vous ne connaissez pas, vous verrez bien pendant le... Pendant le... La petite série. Ah ouais, ça se vend bien, je suis à 2 millions là. Je vais pouvoir embaucher quelqu'un. D'accord, ouais, ok. Faut que j'attende qu'il finisse sa formation. Et après, je vais pouvoir embaucher quelqu'un. Yeah. Ah, c'est parfait. Vendre un demi-million de copies de jeu sans l'aide d'un éditeur. Oh la vache. Vous avez terminé votre formation, donc c'est bon, je peux embaucher quelqu'un. Ça, je sais plus trop à quoi ça correspond. Je crois qu'il y en a un, c'est plus pour la technologie. Il y en a un, c'est plus pour le design, et l'autre, c'est équilibré. On va faire ça. Là, on définit un budget pour la recherche de l'employé. Bien sûr, plus on met dans le budget, plus l'employé sera compétent, mais plus il vous coûtera cher par mois. C'est parce qu'il y a aussi quand même les salaires à payer. Et c'est pas rien, c'est pas rien. Donc on va mettre 200 000 de budget, on va lancer la recherche. Est-ce qu'il y a un rapport à générer? Oui, il y a un rapport. Alors, technologie 384. Oui, ils ont rien en design quasiment, parce que j'ai recherché des gens spécialisés là-dedans. Ben, on va prendre le premier. C'est un bon designer. 20 000 par mois, ouais, bon allez, recruter. Ah, je peux faire les jeux moyens, c'est nickel. Donc, toi, la formation aux nouveaux arrivants, c'est parti. J'hésite à rembaucher une deuxième personne. Avion et simulation est très positive. Le son semble être très important. D'accord, d'accord. J'aurais peut-être dû mettre encore plus de son, ça aurait été encore mieux. Mais bon, c'est déjà quand même pas mal. Donc là, on va prendre bande démo, je sais pas trop à quoi ça correspond, ça doit être le design, je pense. On va mettre également 200 000 de budget, on lance la recherche. Avec au moins deux personnes de plus, on pourra faire quand même de très bons jeux. Alors, la Commodore va être retirée du marché dans 2 mois, ça y est. Les générations de consoles commencent à s'installer, voilà, là on a du design. Ok, j'ai pas de vrai designer aussi compétent que le développeur que j'ai recruté précédemment, mais ça me filera un petit coup de pouce, donc je vais le prendre. Voilà. Oh là là, 5 millions de recettes. 5 millions de recettes. Bon, former. Hop. Toi, tu peux faire une recherche. J'ai 50 points de recherche. On va rechercher les jeux moyens. Hop. Et toi, tu vas rechercher la meilleure expérience pour l'utilisateur. Bah, c'est ça le... L'avantage d'avoir plusieurs personnes, c'est de pouvoir faire du multitâche, en fait. Hein. De pouvoir tout simplement faire plusieurs choses en même temps. Vous voyez, lui... qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, lui? On peut rechercher... allez, va casual game. Voilà. Commodore est en faillite. D'accord. C'est la fin pour Commodore. C'est la fin. Contrat d'édition. Voilà, donc les contrats d'édition, c'est pour développer des jeux pour des grosses boîtes. Ouais, voilà. Pour des grosses boîtes, tout simplement, mais ils vous fixent des règles, genre ils disent développez-moi un jeu de guerre, développez-moi un jeu de stratégie médiévale, il faut que le score soit, les notes dans les magazines soient plus de 6, etc. Et par contre, vous êtes beaucoup mieux payé en faisant des jeux de sous contrat, car ils se vendent beaucoup plus parce que c'est des grosses boîtes qui les publient.
Ça fait gagner pas mal de fans, je crois. Soit ça fait gagner pas mal de fans ou pas mal d'argent, je ne sais plus. Mais il y a de la pénalité si vous n'arrivez pas à... Ah, ça y est, retiré du marché. J'ai fait 3 jeux dessus qui m'ont rapporté en tout 600 000. J'ai quand même gagné 5 millions sur un seul jeu, quoi. C'est hallucinant. Casual Game. Donc on va développer... si je peux... Rechercher. Non, je peux rien faire. Ah, c'est à côté qu'il faut que je... créer moteur de jeu, voilà. Donc on va rajouter le son mono, la meilleure expérience pour l'utilisateur. Ça me coûte 180 000, mais c'est pas grave. Allez hop, on crée le moteur. C'est parti. Ça va relativement vite. Par contre, il y a encore des gugus qui se grattent la tête, là. Allez, mon coco. On y est presque. Hop, voilà, nickel. Et on va tout de suite développer un jeu. Alors, intermédiaire cette fois. Là, c'est un jeu qui aura un peu plus d'ampleur. On va prendre le thème. On va prendre le thème médiéval, RPG. Qu'est-ce qui marche bien niveau RPG? Ah, j'en ai aucune idée. Bon, y a ça qui marche pas mal, mais... Bah, non, voilà, on va la sortir quand même sur la Game Boy. On va rester sur la Game Boy, donc... moteur de jeu, on va prendre le deuxième. On va l'appeler... Medieval Quest. Voilà. Je me casse pas la nénette pour les noms. Hein. On va le mettre... jeune. Jeune. Graphisme de 2v2, hein, comme toujours. Alors, histoire quête à donf, gameplay moyen, moteur bas. Et là, on peut attribuer un employé par tâche. Hop, voilà. Non, par exemple, celui-là, histoire quête, hein, je sais pas. Parce qu'il y a des trucs, en fait, c'est plus de la technologie, d'autres plus du design. Mais je sais plus trop à quoi ça correspond. Attends, je crois que ça, hop. Si je fais comme ça, ça peut être pas mal. Bon, allez, on va faire comme ça. On va voir ce que ça donne. Ok, ils se grattent tous la tête. Super, c'est sympa. Ouais, je sais pas pourquoi je le sens pas du tout, là. Ouais, je le sens pas. Alors, attribuer un employé. Dialogue, c'est du design. Je vais m'y mettre, hein, j'ai 300. Ça, c'est de la... Ah, on va le mettre là. Et de la tech. Okay. Je vais peut-être encore recruter quelqu'un, parce que... J'ai l'impression que c'est pas des bosseurs, en fait. Hein. Je crois qu'il faut mieux que je les entraîne. Ou alors j'ai mal choisi mes employés, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils bossent pas. Conception du monde, hop, son, un peu moins, on va mettre le son mono. Avec la tech dans le son, ça on va le mettre là, puis on va le mettre là. Voilà. Bon, ils seront un peu surchargés, ils seront un peu fatigués, mais ça devrait aller. Ouais. On va voir ce que ça donne. Et pour un jeu de intermédiaire, ça c'est pas vraiment un bon score. Enfin, ça reste que... Oh putain, j'ai graphiste 3D qui vient d'arriver. Alors que je viens de recréer un moteur. Oh putain, j'aurais dû attendre. J'aurais dû attendre. Éditeur de niveau aussi. Le 2DV3, ouais, mais... Ah, j'aurais dû attendre. C'est pas grave. Ah, première critique, on va bien voir. Ouais, si, c'est correct, ça va. C'est pas le jeu de l'année, mais ça reste quand même un minimum correct. Très plaisant, ouais. J'ai joué pendant des jours, ok. Ça va encore.
Simulation sont particulièrement demandées actuellement. D'accord, donc là, les gens veulent de la simulation. Ok. Ok. Alors, on va prendre un mec équilibré. On va foutre 300 000 de budget. Parce que là, il nous faut du renfort. Ça peut être cool. Une recherche. Qu'est-ce qu'on peut faire en recherche? Le marketing. Non, attends, j'hésite. J'hésite. 3DV1. Allez, hop. Et là, on va faire un thème. Le thème. Super-héros. Non, course, course. On va prendre course. Hop, voilà. Alors, niveau employé, qu'est-ce que j'ai? Ouais, il est pas mal celui-là. Oh, celui-là, il est... Ouais, niveau technologie. Mais le truc, c'est qu'il me faudrait un designer, un vrai designer. Je vais prendre le premier. Et je vais l'entraîner tout simplement. Former, hop, voilà. Ok, d'accord. Formation. On va commencer à faire des formations. Lui, par exemple, c'est pas le designer. Il faut une formation en technologie. Technologie. Technologie, je sais pas c'est lequel. On va essayer celui-là. Voilà. Former. On va essayer celui-là. Comme ça, on saura ce que c'est. D'accord, c'est technologie là. Et là, c'est design. C'est le design, donc ça va. Là, voilà. Alors elle est un peu équilibrée, donc on va la mettre en plus vitesse. Ouais. Vitesse, c'est pas mal. Et lui, on va le former en vitesse aussi. Allez, hop. Donc là, on entraîne un peu nos employés, hein. Oh, la Mega Drive. La Mega Drive arrive. Ouais. Ah, ok. C'est cool. Une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. La formation se termine. Ok. Allez, allez. Ah, il a gagné pas mal de vitesse. Plutôt cool. Medieval Quest 1 800 000. Hey. Sympa quand même. 1 800 000, c'est pas rien. On va voir si on peut pas faire un petit travail sous contrat. Histoire de... d'avoir du point de recherche. Hop, nickel. Ça fait rentrer un peu de sous. Bon, pas beaucoup, mais bon. Ok, d'accord. Hop. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben là, de toute façon, on va s'arrêter là pour l'épisode 2. Pour l'épisode 3, on va créer le nouveau moteur. Pouvoir développer des jeux en 3D. Et commencer à s'implanter dans les nouvelles consoles, on va dire. Et se développer encore plus. On va sûrement embaucher quelqu'un encore une fois, les entraîner, etc. Et commencer à se faire vraiment un nom, à se médiatiser, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour la suite, l'épisode 3. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. C'était Azarath pour Gaming for Fun. À la prochaine. Ciao!